Alors le dessin qui est fait ici, c'est une manière de représenter le nombre 37 hein, qui est écrit ici parce qu'on a un 3, ce 3 qui est là, il occupe la place des dizaines. Hein. Donc c'est ici, quand j'écris un 3 à cette place-là, ça veut dire que j'ai trois dizaines. Et effectivement, là en fait dans chaque barre verticale il y a 10 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc chaque barre verticale représente une dizaine. Donc ça, la première barre c'est une dizaine. La deuxième aussi. Je vais l'écrire comme ça. Une dizaine. Donc là, ça me fait une deuxième dizaine. Et puis j'en ai une troisième qui est ici. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que ça veut dire quand on écrit un 3 dans la, à la place des dizaines. Ça veut dire qu'on a trois dizaines. Donc trois euh, ensembles de 10. Trois paquets de 10. Voilà. Alors le 7 qui est là, par contre, lui, il occupe la place des unités. Mais il veut dire exactement qu'il y a dans ce nombre-là 7 unités. Donc ces 7 unités, c'est ce qu'on a représenté ici. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux, 7 carrés. Donc il y a 7 unités dans, dans notre nombre 37. Alors du coup, ce que ça veut dire en fait, c'est que quand j'écris 37, eh bien en fait, 37, ça veut dire que j'ai... Je vais l'écrire avec des jeux de couleurs. Donc... Je l'écris en gardant les couleurs de tout à l'heure. J'ai 3 dizaines. 3 dizaines. Plus 7 unités. Plus 7 sept, sept unités. Voilà. Alors maintenant qu'on a compris ça, on va faire une addition en essayant d'utiliser ça. Donc on va prendre le nombre 37 qu'on connaît maintenant. Donc c'est 3 dizaines et 7 unités. Et on va, écrire, on va ajouter à ce nombre 2. Donc on va ajouter en fait 2 unités. Donc on va faire 37 plus 2. Quand j'ajoute 2, ça veut dire que j'ajoute 2 unités. Alors là... Euh, ce qu'il faut faire en fait, on part de nos 37 qui sont ces trois dizaines là et ces sept unités là et on va ajouter deux unités. Alors chaque unité, c'est un carré comme ça donc ici, il faut qu'on ajoute deux carrés comme ça. Donc j'en ajoute déjà un. Voilà, je vais le mettre ici. Et puis un deuxième que je mets là. Et en fait, c'est tout puisque euh, là, j'ai vraiment ajouté mes deux unités. Hein. J'avais mes 37 et j'ai ajouté deux unités. C'est ce qu'il fallait que je fasse. Donc je vais oh, maintenant compter. Alors combien j'ai de dizaines ben, J'ai toujours trois dizaines. Hein, puisque j'ai ai toujours ces trois dizaines qui, qui sont là. Je n'ai pas ajouté de dizaines. Donc j'ai toujours trois dizaines. Et puis maintenant, je vais compter combien j'ai d'unités. Alors j'ai, Je peux les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai neuf unités. 3 dizaines plus 9 unités. Ça, c'est finalement le résultat de 37 plus 2. Alors, effectivement, pourquoi est-ce qu'on a 9 unités ben, On pouvait le voir directement ici. On, là, on a compté, mais on pouvait tout, tout simplement se dire qu'on avait 7 unités plus 2 unités. Effectivement, 7 plus 2, ça fait bien 9. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement que, que cette, euh, Comment est-ce qu'on peut exprimer proprement le, le résultat de cette opération, de cette addition ben, On a 3... Alors je vais le réécrire. Hein. 37, 37 plus 2 unités. 37 plus 2. Ça, ça fait alors 3 dizaines. Donc je vais écrire maintenant en première position le nombre de dizaines. J'en ai 3. Et puis en deuxième position le nombre d'unités. Donc j'ai ici 9 unités. 37 plus 2, ça fait. 39, ce, ce nombre-là, 3 dizaines et 9 unités, ça se dit 39, et c'est exactement ça, hein. j'ai 3 dizaines qui sont ces, les 3 dizaines qui étaient là, et 9 unités parce que j'avais 7 unités ici, plus 2 qui sont là, donc en tout j'ai 9 unités.